mais rien. Ah oui, mort ou vivant. Et pourquoi faire? Pourquoi aurait-il tué Sylvia et réservé un autre sort à Charlie? Rien, mais enfin, je t'avoue que moi, ce qui me contrarie, c'est que j'aimerais que cette enquête avance un peu plus vite. Non, mais ça fait la seule l'enquête. Seulement, c'est vrai que c'est l'article dans le journal, on peut semer la panique dans la région. On peur que... Il n'a qu'à se mettre vous, là. On craint que ce meurtre ou que ces meurtres en appellent d'autres. On commence même à parler de crimes antérieurs. Oh, mais je comprends l'inquiétude des gens, mais enfin, faut pas exagérer non plus, on n'en est pas là. Qui plus est, j'ai eu le prix au téléphone, alors il n'a pas dit comme ça, mais il sous-entend très clairement qu'on doit donner l'impression aux gens qu'on est très présent sur cette affaire et qu'on ne va pas tarder à arrêter le meurtre. Qu'est-ce qu'il veut, son préfet? Des actions tapageuses, c'est ça? Bruyantes? Bien comme ça, oui. Je sais pas combien il prend sa maison dans une boîte d'échange jusqu'à la fin. Vous attendez sans voir autre chose que des blocs. Collection. Ouais, non, c'est à cause de Nicolas. Tu sais, il est en train de me dire un lundi de soir, voilà. C'est vrai qu'il grandit. Même si c'était inévitable. C'est là où je me rends compte qu'il y a deux jeunes affaires, tu vois. Je me rends bien compte que c'est pas facile pour moi de parler de sexualité avec mon fils. C'est, même si à 16 ans, je comprends qu'il en a besoin, qu'il en a pas. Moi aussi, à 16 ans, je me rends compte que j'étais vraiment seul, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Bah, tu veux que j'essaie de vous le dire. Pourtant, j'ai sorti sur Internet, je ne sais pas des choses pour le voir. Hein? Non, c'est pas bien.